Bonsoir à tous, c'est la 28e émission Nicolas décrypte l'actu. Une riche semaine, alors si vous êtes content, vous partagez, vous aimez, vous appuyez sur la petite sonnette pour être informé de mes émissions, et puis n'hésitez pas à poser des questions sur commentaires. La semaine dernière, on était avec Alexandre Delval, on a beaucoup parlé géopolitique. Nous allons revenir sur plusieurs sujets. À tout de suite. Alors, beaucoup de commentaires de la fois dernière et beaucoup de questions. Et je vais tâcher, dans cette émission, un peu plus calme que celle de la semaine dernière avec Alexandre Delval, je vais tâcher de répondre à vos interrogations. D'abord, le premier sujet dont on parle encore, et je suis membre de la Commission des Affaires étrangères, donc on va en parler toute la semaine encore en commission, c'est cette fameuse affaire des sous-marins. Et les choses, comment dire, s'expliquent davantage. Je voudrais vous dire deux choses là-dessus. D'abord, Emmanuel Macron a capitulé en race campagne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un communiqué de presse conjoint avec Joe Biden, où Emmanuel Macron disparaît, il s'effondre, c'est une flaque, il n'y a plus rien. Et il faut lire le communiqué de presse pour comprendre l'état de notre pays et pourquoi les États-Unis ne respectent plus la France. Emmanuel Macron et Joe Biden signent un communiqué incompréhensible où en gros ils vont se concerter, etc. Donc allez, circuler, il n'y a rien à voir. Les Américains ont planté un poignard dans le dos d'Emmanuel Macron, mais il dit merci. C'est ahurissant ce qui se passe. Alors vous vous dites, oui, mais monsieur Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Ce que j'aurais fait? Deux choses. D'abord, j'aurais dit aux Américains, aux Australiens et aux Anglais, on ne traite pas un allié comme cela, et donc je reprends ma liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets fin aux sanctions à l'égard de la Russie, qui sont contraires à notre intérêt national, et qui nous ont été imposées par les Américains, qui de surcroît ont profité des sanctions prises par les Européens contre la Russie pour augmenter leurs exportations en Russie au détriment de nos industriels et de nos agriculteurs. J'en avais parlé à François Hollande, il y a déjà, quand il était président, et il m'avait ri au nez en disant « Ah, mais faut expliquer ça à Madame Merkel. » Ah, je ne savais pas que Madame Merkel dirigeait la France, ou je le savais trop. Donc, très clairement, première décision, maintenant vous nous traitez n'importe comment, bien nous, on est indépendants. Deuxième décision, j'aurais rouvert l'ambassade de France à Damas, en Syrie, pour que la France reprenne pied au Moyen-Orient et ne laisse pas les chiites de l'Iran, la Russie, intervenir tous azimuts, et les États-Unis toujours ambigus avec les mouvements et les monarchies du Golfe. Troisième décision, c'est que j'aurais demandé à tous les ministères de ne plus travailler avec des entreprises technologiques américaines, qui sont d'ailleurs soumises au Patriot Act, ça veut dire qu'ils peuvent prendre les données et nous mettre en état de dépendance. Quatrième décision, j'aurais annoncé la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, car cette organisation nous impose un engrenage de soumission. Nous devons, en un mot, reprendre notre indépendance. Mais reprendre notre indépendance à l'égard du monde anglo-saxon, ce n'est pas se soumettre à la Chine. Et si on réfléchit un peu plus sur l'affaire des sous-marins, si l'Australie a changé de pied, c'est aussi parce que l'Allemagne et la France sont un peu ambiguës avec la Chine. Et que l'Australie s'est dit, est-ce qu'on peut faire confiance aux Français? Est-ce que la technologie de nos sous-marins ne va pas être partagée un jour avec les Chinois? Et donc, on voit bien que les Américains ont eu tort, ils nous ont poignardés dans le dos, mais cela s'explique aussi parce que notre pays, avec l'Allemagne, est faible devant la Chine. Dernier point, j'ai entendu Madame Parly à l'Assemblée nationale. C'était mardi, répondre aux questions des parlementaires. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'elle commet un contresens terrible. Ils continuent à croire la politique européenne. D'ailleurs, dans le communiqué de Macron et de Biden, on parle de la politique européenne. Mais qui nous a poignardés dans le dos? Les Allemands. Au moment où la France se faisait écarter du marché des sous-marins, l'Allemagne signait un partenariat spatial dans le dos de la France. Voilà la réalité. Alors,
dans le monstre, dans les rapports internationaux, les États sont des monstres froids. Et on ne respecte que les forts. Et on ne respecte que ceux qui ont les moyens de leur indépendance. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de dire nous sommes indépendants. Il ne s'agit pas simplement d'acter notre indépendance, comme je viens de le proposer, sur les quatre points que je viens de vous proposer. Il s'agit aussi de se donner les moyens technologiques et industriels de l'indépendance. Ce qu'avait fait le général de Gaulle et ce qu'ont abandonné ses successeurs. C'est un défi absolument majeur pour l'avenir. Il n'y a pas de pays riche, à terme, qui ne soit libre. La richesse vient de la liberté, de la force. Et c'est là le contresens total de nos dirigeants. Ils croient qu'ils vont défendre le train de vie de la France en étant soumis. Mais c'est l'inverse. On a perdu d'ailleurs aussi le marché des avions Rafale en Suisse. Cela prouve bien que cette soumission à l'Union européenne, cette soumission à nos partenaires, cette soumission aux États-Unis, eh bien nous appauvrit. Le pays est pillé. On ne peut pas continuer. Autre sujet un peu différent, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, là j'ai les journaux d'hier, le tarif de l'électricité va flamber, plus 10%. Alors, j'apprends que les Européens vont se mettre d'accord pour indemniser les ménages. Mais c'est n'importe quoi. Les tarifs explosent et on donne un chèque énergie à 5,8 millions de ménages sur un mode bureaucratique. Mais je vous rappelle que 5,8 millions de ménages, c'est le quart des ménages français. Donc c'est n'importe quoi. Alors pourquoi le tarif de l'électricité augmente ? Bah, tout simplement parce qu'on nous impose une politique de la concurrence qui fait augmenter les tarifs. Ça va vous paraître bizarre. Comment la concurrence fait augmenter les tarifs? Eh bien, pour que les entreprises concurrentes d'EDF puissent concurrencer EDF, il faut que les tarifs de l'électricité augmentent puisqu'elles s'approvisionnent sur des marchés très chers européens puisqu'on a supprimé le nucléaire en Allemagne. Plus on renforce de l'électricité dite renouvelable, éolienne et solaire, plus elle est coûteuse, plus donc il faut subventionner par un tarif plus élevé les producteurs. On avait inventé l'électricité nucléaire parce que c'était moins cher. EDF avait un avantage comparatif énorme pour nos industriels, pour nos ménages vis-à-vis des Allemands, en produisant une électricité à bas coût. Eh bien, EDF est obligé de vendre cette électricité à bas coût à des opérateurs privés qui profitent de la rente nucléaire d'EDF et qui n'y ont pas contribué. Et ces opérateurs privés sont aidés par l'État pour acheter de l'électricité très chère, en plus des éoliennes et du solaire. On marche sur la tête. Et qui paye à la fin? Ce sont les consommateurs, puisqu'ils payent une taxe sur l'électricité pour financer le rachat des éoliennes, de l'électricité produite par les éoliennes et le solaire. En un mot, si vous avez compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on vous ment en vous faisant croire que l'électricité renouvelable, c'est l'avenir. Alors oui, le solaire peut être bien dans certains cas. Oui, il peut y avoir quelques éoliennes qui fonctionnent. Mais l'avenir, c'est pas ça. Parce que ces éoliennes, elles marchent un jour sur trois. Et parce que le solaire peut marcher pour l'eau chaude, mais n'est pas adapté pour le nord de la France et pour l'électricité. Et donc, on voit très bien qu'il n'y a que le nucléaire qui pourrait être renouvelé, avec de nouvelles centrales, avec un système pour s'attaquer aux déchets, notamment par le rayon laser, le prix Nobel français de destruction des déchets nucléaires par le laser, qui devrait être la vraie solution. Bref, il faut inventer une filière nucléaire moins risquée, plus propre. C'est ça l'enjeu. C'est l'électricité de demain, et beaucoup moins chère que toutes ces éoliennes qui coûtent une fortune. Et puis, il faut mettre fin à la concurrence, la fausse concurrence. Il faut un opérateur sur tout le pays. Un opérateur qui fait de la péréquation. Un opérateur qui permet l'électricité pas chère. Bien sûr, sur contrôle public pour éviter ce qui s'est passé au Japon où le nucléaire ne peut pas être confié à la loi du fric à court terme. Il faut une entreprise publique, il faut une entreprise sûre, il faut une entreprise avec de nouvelles technologies. Il faut reconquérir notre souveraineté électrique. C'est un immense défi. Pour ça, il faut envoyer balader les traités européens, bien évidemment. J'étais un peu long là-dessus, mais je voulais vous en parler. Alors, il y a eu aussi des questions cette semaine sur... la crise du Covid. Alors c'est extraordinaire, il n'y a plus d'épidémie, ça peut revenir, attention, mais enfin il n'y en a plus aujourd'hui. Chute libre des cas, et pourtant, M. Macron, dans son conseil de défense, a maintenu le pass sanitaire.
Pire, il impose le pass sanitaire aux adolescents à partir du 30 septembre. 30 septembre. C'est-à-dire qu'un jeune de 15 ans qui veut aller prendre une glace dans un café est obligé de montrer son pass, c'est-à-dire de se vacciner. La vaccination des 12-17 ans, je le dis, je persiste et je signe, est un vrai risque. Le comité de vaccinologie anglais déconseille la vaccination en dessous de 15 ans. Alors je sais qu'il y a beaucoup de parents qui s'interrogent, mais je leur dis, quel est l'intérêt de la vaccination? Vos enfants ne risquent rien du Covid. Le Covid touche des personnalités à risque, l'âge, la comorbidité, le diabète, l'obésité, le cancer. Pourquoi vacciner vos enfants alors qu'il y a des risques du vaccin? J'ai fait une vidéo qui a été très commentée sur les effets secondaires. Il y a quand même eu 954 000 effets secondaires en Europe à la date du 18 septembre. Et je demande une commission d'enquête parlementaire pour en savoir plus, notamment sur les morts, sur les myocardies des jeunes. La FDA américaine a déconseillé la troisième dose aux personnes adultes en dessous de 65 ans. Donc, il y a quand même un moment où on doit s'interroger. Le bénéfice-risque pour des personnes âgées en comorbidité et des personnes à risque, pourquoi pas? Mais pour les jeunes, il y a des risques et pas de bénéfices. Et j'insiste là-dessus. Le pass sanitaire imposé aux jeunes le 30 septembre est une honte absolue. Deuxièmement, le gouvernement a maintenu la mise en place des tests payants au 15 octobre. C'est une abomination. D'abord parce que pour la première fois, l'hôpital va être réservé aux gens qui payent, puisque si vous n'êtes pas vacciné, vous pouviez au moins faire un test gratuit. Là, vous allez devoir payer pour accéder à l'hôpital. Deuxièmement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les non-vaccinés ne vont plus se tester. D'ailleurs, les vaccinés ne se testent plus alors qu'ils passent le virus. Vous pouvez être vacciné, être aide-soignant dans un hôpital, médecin dans un hôpital, aide-soignant dans une maison de retraite et passer le virus à une personne âgée à risque. Donc la question n'est pas le vaccin. La question, c'est justement le test. Et seule une grande vague de tests peut permettre d'éviter la reprise de l'épidémie. Au point qu'on se demande, sans être complotiste, si le gouvernement ne veut pas une reprise d'épidémie en plein hiver. Parce que supprimer les tests en les rendant payants le 15 octobre est un crime. Je pèse mes mots. Je vous demande d'écrire à vos parlementaires, de remonter au combat contre ce paiement des tests, qui est une aberration sanitaire. Une aberration sanitaire. Même pour les vaccinés, qui devraient se faire tester de temps en temps. Voilà, alors le combat continue. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent là-dessus. Je vous invite à regarder tous les soirs mes vidéos Facebook, car c'est par la mobilisation qu'on y arrivera. Enfin, j'ai un dernier sujet un peu polémique, mais j'ai lu dans le journal d'hier une histoire de fou, comme on est coutume, comme on en a coutume dans notre pays. Je vous montre la page du Parisien. À Rouen, Napoléon menacé d'exil. Voilà, il y a une statue de Napoléon qui domine la place de la mairie depuis 1865 et qui a été retirée pour être restaurée l'année dernière. Et le maire, monsieur Nicolas, comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais retrouver son nom. Meyer-Rossignol, grand copain de madame Hidalgo, la fine équipe. Il veut enlever la statue de Napoléon et mettre la statue de Gisèle Halimi. Beaucoup de respect pour Gisèle Halimi, mais enfin, on est en plein délire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez des maires socialistes, comme M. Macron d'ailleurs, qui s'en vantait dans une chaîne américaine, sur une chaîne de télévision américaine, qui veulent déconstruire l'histoire de France. Ils veulent couper nos racines. Ils veulent casser la France. Ils veulent la détruire. Ils ont commencé à le faire à l'école, en supprimant les programmes d'histoire, en perdant ce sentiment d'appartenance. C'est extrêmement grave. Alors, il y a toute une bataille à Rouen et je vous invite, si vous habitez Rouen, à vous mobiliser pour que la statue de Napoléon revienne devant la place de la mairie. Il y a un grand mouvement populaire
contre ces talibans de la sculpture, ces dingues qui veulent détruire la France. Mon affiche de campagne, c'est Sauvons la France. Ben, je pense que quand on voit cette affaire, on se demande si on est tombé dans un pays de fous. Pas les Français, les dirigeants, qui veulent casser tout ce que les Français aiment de la France. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser. Enfin, pour conclure mon émission du samedi, je voudrais vous faire part de la sortie de mon livre, le dernier. Plus si c'est le 12e ou le 13e, je ne sais plus. Tiens, je vais compter. Je vais vous dire parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le 13e livre. 13e livre, vous vous rendez compte? C'est du boulot. C'est un livre que j'ai voulu faire sur la manière de financer mon projet présidentiel. Tous les candidats vont répéter la même chose. D'ailleurs, je remarque qu'on me copie. C'est bien. Madame Le Pen découvre qu'il faut renationaliser les autoroutes. C'est ce que je propose depuis 2012. Madame Pécresse découvre qu'il faut augmenter les salaires. C'est ce que je propose depuis 2017. Et puis, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Mais à la rigueur, pourquoi se plaindre? C'est bon signe. Ça prouve qu'au moins, j'ai un projet qui tenait la route. Et il y a quand même eu près de 2 millions de Français qui l'ont approuvé, ce projet, en votant pour moi au premier tour de 2017. Eh bien, tous les candidats vont en fait dire la même chose. Alors, ils seront plus ou moins crédibles, parce que quand M. Bertrand nous dit qu'il va créer des hôpitaux alors qu'il a supprimé des milliers de lits, pas très crédible. Quand Mme Pécresse nous dit qu'elle va rétablir l'ordre et lutter contre l'immigration alors qu'elle a signé tous les traités européens, c'est pas très crédible. Voilà. Mais il reste que la bataille idéologique, nous sommes en train de la gagner. Et on voit bien que les candidats vont reprendre mon projet politique. Mais la question, ce n'est pas de dire je vais faire ci, je vais faire ça. La question est de savoir comment on va faire cela. Comment on va rétablir l'ordre? Comment on va produire en France? Comment on va reconstruire l'hôpital public en créant un hôpital par département? Comment on va financer tout ça? Parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Emmanuel Macron promet à tort et à travers, mais il n'y a pas d'argent magique. Alors là, dans ce livre, que je vous invite à commander tout de suite sur votre site internet ou dans votre librairie, allez dans votre bonne librairie de quartier, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas, commandez-le, il est déjà en vente. Où va le pognon? C'était le mot d'ordre de Jacqueline Mourot, la gilet jaune, qui disait, mais comment ça se fait? On paye les plus hauts impôts, les plus hauts impôts d'Europe et du monde. Et on a des services publics en quenouille, qui partent à volo. Fermeture des gendarmeries, fermeture des perceptions, fermeture des écoles, des classes, pardon. Fermeture des petites lignes de train, fermeture des maternités. Donc j'explique comment on va faire. 100 milliards d'économies. 100 milliards. Je vous explique le scandale des cartes vitales. Je vous explique le scandale du financement de la Turquie par l'Union européenne. Je vous explique le scandale du financement de l'immigration par les Français. Je vous explique l'escroquerie à la TVA de grands groupes mafieux qui prennent de l'argent à l'État français. Je vous explique le coût des énergies pseudo-renouvelables. On en a parlé tout à l'heure, des autoroutes, des médicaments et de l'industrie pharmaceutique. Je vous explique le coût de la dette. Voilà, ça fait beaucoup de chapitres. Il y a exactement ainsi, pour bien être précis, parce que je me souviens jamais des noms numéros des chapitres, mais de mémoire, oui, 6 chapitres qui détaillent les 100 milliards qu'on va récupérer, avec un peu de courage face au lobby. Parce que c'est du vol. C'est du vol de l'argent des Français. Alors je vous explique comment on récupère ces 100 milliards, et puis dans une deuxième partie du livre, je vous explique ce que je vais faire de cet argent, qu'on va concentrer pour avoir un effet de seuil, un effet d'entraînement, concentré sur trois choses. Alors c'est le premier chapitre de cette partie, le chapitre 7. On va récompenser le travail, l'effort, et le mérite. C'est le 13e mois pour tous. C'est la suppression des droits de succession
zéro droit de succession sur la résidence principale. C'est l'augmentation des pensions de retraite indexées sur l'inflation et de récupérer une partie de la CSG qui a été volée par Emmanuel Macron aux retraités. Voilà trois mesures fortes pour récompenser les Français. C'est aussi le salaire parental pour récompenser les Français qui ont des enfants et qui permettent ainsi le renouvellement des générations et le paiement des retraites. Ça, c'est le chapitre 7. Ensuite, une fois qu'on a récompensé le travail d'aujourd'hui ou le travail du passé pour nos amis retraités, c'est le chapitre 8 qui va parler de la production en France. Comment on incite nos entreprises à revenir en France? Avec mon impôt sur les sociétés divisé par 2 pour les bénéfices réinvestis en France. Car il faut tout faire pour relocaliser. Et puis, bien évidemment, c'est le chapitre 3 qui... qui est le chapitre 9, qui présente la reconstruction de nos services publics. L'équilibre du territoire, l'aménagement du territoire, l'école, l'hôpital, les voies ferrées, la sécurité. Comment on redonne vie à la France rurale, à la France des petites villes, où il fait bon vivre, et où malheureusement il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas les services publics qu'il faut. Je vois beaucoup de maires en ce moment, et pour les parrainages, et pour qu'ils m'aident à obtenir les parrainages. Et tous me disent la même chose. Les Français veulent revivre à la campagne et tout est fait, en fait, pour les entasser dans les villes. C'est vital. Alors, vous le voyez, il y a trois grandes priorités. Ce sont mes priorités politiques. Première priorité, récompenser le travail. La différence entre le revenu de l'assistance et le revenu du travail doit être plus importante. On doit récompenser ceux qui se lèvent tôt le matin. La deuxième priorité, c'est de récompenser les chefs d'entreprise qui vont investir sur le sol français. C'est possible. Et vous verrez dans mon bouquin comment je fais. Et puis la troisième priorité, c'est qu'il y ait l'égalité des chances. Qu'on soit le petit Français au fin fond du monde rural ou dans la cité, qu'on habite à Brest, en Alsace, dans les Pyrénées ou dans le Massif central, on doit avoir l'égalité des chances. C'est une promesse républicaine. Voilà, vous le voyez, ce livre, il est très important pour moi. Très important pour moi. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas simplement ce que je veux faire, vous le savez bien ce que je veux faire. Il dit fortement et précisément comment je vais le faire avec vous. Car la clé de tout, c'est pas seulement de faire des économies sur les gaspillages et de redéployer l'argent, c'est de le faire avec vous. Par le suffrage universel et par référendum. Et vous le savez, je veux réhabiliter le référendum. Alors vous le voyez, ce bouquin, Où va le pognon? Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France, aux éditions L'Archipel. Ce bouquin, ce livre, il n'est pas très long et en plus il n'est pas cher. 10 euros. Parce que j'ai tordu le bras de l'éditeur qui a été sympa, qui voulait le vendre 14 euros, je lui ai dit non, c'est trop cher. Déjà 10 euros, c'est de l'argent. Nos concitoyens ont moins d'argent. Et 10 euros, ben, c'est 10 euros. C'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est moins que de 14 ou 12. 10 euros, vous avez en 160 pages le cœur de mon programme politique. Exactement 155 pages. Le cœur de mon projet politique. Si vous lisez ce livre, si vous l'offrez à vos voisins, à vos amis, si vous le partagez, vous comprendrez pourquoi ma candidature est la candidature de rupture avec le système contre les oligarques, mais de rupture sérieuse. Moi, je ne vais pas vous parler toute la campagne uniquement du grand remplacement. Je parle du coût de l'immigration là-dedans. Je suis très ferme sur le contrôle des frontières. Je veux rétablir la sécurité, mais je vais vous dire très clairement, il y a dans nos cimetières des soldats français qui se sont battus pour la France, qui sont morts au Sahel, qui sont victimes de tentats terroristes, qui s'appellent Mohamed. Et donc, je ne voudrais pas que l'on se trompe de combat. Bien sûr, j'aime mieux le prénom français, mais qu'importe. À partir du moment où un Mohamed ou un Karim ou un Jordan meurt pour la France, il est français. Il a donné son sang pour le pays. Et je ne voudrais pas que notre pays sombre dans des vaines polémiques. Vous avez vu un débat hier, à la télévision, avant-hier peut-être,
Mélenchon-Zemmour. Ils ont du talent, chacun. Éric Zemmour partage une grande partie de mes convictions sur la France. Mais on ne peut pas faire une campagne sur un seul thème. Et on ne peut pas rendre des personnes d'origine étrangère responsables de tous les maux de la France. Parce que ce n'est pas ça la solution. La solution, oui, c'est bien sûr, et Éric Zemmour a raison, de contrôler l'immigration, d'être ferme sur la sécurité, bien sûr, mais pour autant, toutes les personnes d'origine étrangère ne sont pas responsables de tous les maux de la France. Ça, c'est pas être gaulliste. Le vrai gaullisme, c'est de défendre la France et c'est sauvons la France, c'est mon slogan de campagne, sauvons la France avec tous les Français qui le veulent et qui méritent de la France, qui respectent la France. Ceux qui ne respectent pas dehors, on est d'accord. Mais il y en a beaucoup qui respectent et ceux-là, je leur ouvre les bras parce qu'ils sont Français. C'est pas négociable pour moi et je veux vous le dire. Nous parlerons de tout ça le 3 octobre, dimanche 3 octobre. Je vous invite à venir le plus nombreux possible au Cirque d'Hiver à Paris. C'est dans le 11e. Je prononcerai mon discours à 14h30. Venez dès 14h, un peu avant. Il y a une table ronde sur les défis de la France avec des invités exceptionnels. Et venez parce qu'on parlera de la France, la belle France qu'on aime. Venez, vous pouvez vous inscrire. Vous vous inscrivez sur le site internet 2022nda.fr et je vous attends tous très nombreux, sans passe sanitaire, mais il faut s'inscrire parce qu'il faut respecter une jauge, sans passe sanitaire le dimanche 3 octobre. Et contrairement à ce qu'a dit Quotidien, j'ai vu hier une mensonger Quotidien, vous savez l'émission de Barthès qui est toujours là pour me critiquer, il n'y a pas 5000 places, il y a 1600 places et il faut respecter un quota. Donc inscrivez-vous sur le site. Et je vous attends dimanche 3 octobre et on parlera de la France, la belle France qu'on aime et qu'on va sauver ensemble.